Par défaut, MC Pro 24 FPS fonctionne en mode autofocus et fait la mise au point sur ce qui est au centre de l'écran. Pour faire la mise au point en touchant l'écran, comme dans l'appli native, il faut passer en mode toucher. Un réticule vert apparaît alors, qu'on déplace en touchant l'écran là où on souhaite faire la mise au point. Troisième mode proposé pour faire la mise au point, le mode manuel, où l'on glisse le doigt sur l'arc orange pour déplacer le petit curseur noir de focus. On est aidé pour cela par le focus picking qui surligne en jaune à l'image les zones de netteté. Repassons en mode toucher pour faire le point rapidement sur le sabre laser de Vador. L'appli propose de s'approcher du sujet avec plusieurs niveaux de zoom jusqu'au x4 sans trop perdre en définition ni générer trop de bruit. Le mode max donne lui accès à un zoom manuel en déplaçant au doigt le petit curseur noir sur l'axe bleu. Pour aller, cette fois, au-delà du grossissement x4, mais en laissant apparaître pas mal de bruit dans l'image. Il est enfin possible d'utiliser les différents objectifs du smartphone, s'il en possède, comme je vous le montrerai dans un autre tuto rapide.